نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا من النار، وأن يجعلنا من أهل الجنة في دار القرار. اللهم آمين. Donc, alhamdoulillah, donc on poursuit notre lecture, l'explication, la traduction du livre du cheikh Ayman Abou Shadi, qui est un docteur de l'Azhar, qui est diplômé dans la science du hadith et dans l'aqida et dans le fiqh shafi'i, et qui fait partie des responsables de Tablir wa Da'wa. Et son livre, il l'a écrit depuis plusieurs années. Moi, je l'ai rencontré la première fois, c'était en 2004, quand il était venu en France. Et ensuite, je l'ai vu en 2013, quand je suis arrivé en Égypte. Et il m'a remis ses livres de ses propres mains. Et je lui avais demandé de faire l'explication lui-même de ce livre, mais il ne préférait pas. Et son but, ce n'est vraiment pas de faire le jidel. On sait bien que ce n'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire des polémiques sur la religion, et on sait bien que les gens du Tablir sont, ben, ils essayent de pratiquer cette sunna là, justement de ne pas faire de jidel, de polémique. Donc en réalité ici, je sais que si les responsables du Tablir se rendent compte de ce que je suis en train de faire, ils vont me conseiller gentiment d'arrêter, de ne pas le faire, parce que ce n'est pas le but, et ils auront raison. Mais ici, le but, c'est de faire une assise de ilm. Le but, c'est de passer en revue les paroles des savants sur un sujet qui est un sujet de ilm, pas spécialement lié au tablir, mais après, on va l'appliquer au tablir pour voir si ça correspond ou pas par rapport à la bid'a. Donc ici, ce sujet-là, en fait, le sujet de la bid'a, de toute façon, il n'y a pas 36, y a pas 36 choses à dire. Et pareil, donc on ne va pas innover, on ne va pas ramener des choses nouvelles, on va tout simplement ramener les paroles des savants. Donc ici, le chapitre de la Bid'a, en fait, il s'axe sur trois chapitres principaux. Le premier, donc la définition de la Bid'a qu'on a donnée précédemment, on va y revenir de toute façon. Ensuite, le premier point, le premier axe, c'est de savoir est-ce que il y a des bonnes innovations ou des bonnes innovations. Et c'est ce sujet qu'on va traiter aujourd'hui seulement. Donc, on va voir la parole, les paroles des savants sur ce sujet. On va en citer six ici, de ceux qui ont dit qu'il y a des bonnes innovations et des mauvaises innovations. Mais bien entendu, on va citer les avis de ceux qui sont contre cela pour sortir le khulas, avec un résumé. Le deuxième point à citer, c'est lorsque justement, quand on dit dans le khutbat al-haja, kullu bid'atin dalala, toutes les innovations sont en égarement, on va citer aussi des paroles des savants. Ici, il va en citer six. Les paroles des savants qui disent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullu bid'atin dalala, toutes les innovations sont en égarement, en fait, cette parole-là, ça, c'est la parole des gens de Usul. C'est que la première chose que l'imam Shafi'i a écrite quand il a écrit les Usul Fiqh, parce que la première chose qui causait des divergences entre les gens, c'était que des fois, il y avait des termes qui
qui en apparence englobe tout. Quand tu dis kul, dans les sciences de usul, ça s'appelle alfaz al-umum. C'est des. Parce que, bon, voilà, il faut connaître un peu usul fiqh. Il y a un chapitre qui s'appelle comme ça. Yani al-am wal-khas. Les choses qui sont globales et les choses qui sont spécifiques. D'accord ? Et des fois, il y a des termes dans la langue arabe comme kullu, kull, tout. Donc, quand on entend tout, ça veut dire que tout ce qui est innovation est égarement. Mais la première chose que l'imam Shafiri il a dit, des fois, il y a des choses qui sont globales, mais ce qui a été voulu, c'est un sens spécifique. Un exemple qu'on donne, je ne les ai pas tous en tête, mais l'exemple que j'ai ici, c'est dans le surat Ahqaf, Allah il dit « Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha » en parlant du peuple de Had. Le peuple de Had, lorsqu'ils ont vu le nuage se rapprocher, en fait, c'était le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah il a dit que ce vent « Rihun fiha azabun aliyin » Elle détruit toute chose, mais on sait bien que le vent qui a détruit le peuple de Had n'a pas détruit toute chose, mais il a détruit que le peuple de Had. Non. Ça, c'est le deuxième point. Donc, ils vont citer les paroles que ces hadiths-là et ceux qui vont dans ce sens-là, ils sont à comprendre, alaykoum salam, que c'est dans un sens spécifique. Donc, on commence. Donc, Inch'Allah, on va essayer d'être concis et de rester sur les 40 minutes pour ne pas faire une deuxième assise. Et le troisième point, c'est pareil, les paroles des savants qui ont dit que la bid'a se divise donc en cinq points. Donc, les bid'a obligatoires, les bid'a mustahab, les bid'a mubah, et puis les bid'a makruh et haram. D'accord ? Pareil, citer les avis des savants qui ont dit que la bid'a se divise en ces cinq points. Donc, on va comprendre tout ça. Et donc, pareil, pour encore une fois bien synthétiser le sujet, en réalité, sur ce sujet-là, de bonne et mauvaise innovation, il y a trois avis. D'accord ? Il y a l'avis de ceux qui disent que... Il y a l'avis de ceux qui disent que il y a des bonnes innovations, il y a des mauvaises innovations. Il y a l'avis de ceux qui disent non. Toute innovation est mauvaise. Mais en réalité, il y a un troisième avis. Parce que les deux que je viens de citer, en réalité, ils disent la même chose. Sauf que les deuxièmes qui disent qu'il n'y a pas de bonne bid'a, c'est que même quelque chose qui est nouveau, mais qui a un dalil, eh bien, ils ne l'appellent pas bid'a. Comme on va voir que le bid'a, il y a le sens linguistique. Donc, ceux qui disent qu'il y a des bonnes et des mauvaises, c'est qu'ils prennent en compte le sens linguistique. C'est-à-dire que quand tu dis nouveau, quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il n'était pas à l'époque des sahaba de Tabiri. Parce qu'on va voir toutes les définitions. Par exemple, Al-Jarjari, dans son fameux livre de Ta'rifat, les définitions, il dit que c'est tout ce qui n'était pas à l'époque des sahaba ni des Tabiri et qui n'a pas de dalil. D'accord ? Qui était à l'époque des sahaba de Tabiri, mais qui n'a pas de dalil. J'ai perdu le fil de ce que je disais. Naam. Oui, donc même si c'est nouveau, eh bien, ils n'appellent plus bid'a. Ils disent non, c'est pas une bid'a. Il va leur donner un autre nom. Donc au final, c'est la même chose. D'accord ? L'essentiel, c'est que s'il y a un dalil, c'est bon. S'il n'y a pas de dalil, c'est pas bon. Après, on ne prend pas en considération le fait que ce soit après l'époque de Sahaba et de Tabi'in. Par contre, il y a un troisième avis qui existe, c'est que tout ce qui est après. Tout ce qui n'a pas été fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une bid'a. Donc même si c'est fait par les sahaba, c'est ça qui pose un problème. Là, on peut arriver sur le point des khawarij qui ont traité les sahaba de mubtadir. Donc traiter un sahabi de mubtadir ou dire qu'un sahabi a fait une bid'a, là c'est encore autre chose. Et des exemples, il y en a. Sans être exhaustif, mais il y a un exemple qu'on peut donner et on peut donner d'autres exemples. C'est qu'en Asmad ibn Affan, les musulmans sont devenus nombreux à Médine, il a instauré un Eden avant l'heure de Zohar pour, dans un endroit qui s'appelle, je ne sais plus comment, un endroit spécifique dans le marché à Médine, parce qu'il voyait que pour prévenir les gens, pour qu'ils viennent en avance, parce que les gens, ils venaient, quand les gens ils venaient, comme aujourd'hui on voit, quand l'imam il fait la prière, c'est là que les gens arrivent. Mais Ibn Omar,
Et Sofiane ibn Uyayna et d'autres, ils ont dit Hada muhdath. Ça, c'est une bid'a. Ibn Omar, il a dit clairement, ça, c'est une bid'a. Et par exemple, Atta, un des tabirines, il a dit non, ça, c'est pas Othman qui a fait cette bid'a, mais c'est plutôt Muawiyah. Mais c'est pas grave, on garde comme ça. Et ça, ça a été fait dans tous les pays musulmans. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. D'accord ? Mais des fois, ceux qui. Ça pose un problème pour ceux qui veulent tenir ce manhaj-là, parce que là, ça les pose en porte-à-faux, même avec les Sahaba. Il y a plein d'exemples de choses que les Sahaba ont fait qui sont clairement, qui n'étaient clairement pas à l'époque du prophète. Il y a plein d'exemples sur ça. Donc, on commence, Inch'Allah. Donc, وقد ذكر غير الإمام الشاطبي من أئمة من الأئمة معاني أخرى للبدعة وأقوالهم في ذلك معاني الهدى يستضاء بها لبيان معناها. Donc ici, dans le premier dars, il avait cité volontairement la définition de l'imam Shatibi, parce que l'imam Shatibi, c'est lui qui porte l'étendard pour dire qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise bid'a. Donc il a fait exprès de citer sa définition à lui, comme on l'avait dit dans le dars précédent. Et les définitions sont toujours les mêmes. C'est quelque chose, il y a une tariqatun fi d-din mukhtara'atun tudahi shar'iyya. C'est-à-dire une manière de faire dans la religion, fi d-din, dans la religion, mukhtara'a, inventée, tudahi shar'iyya, qui concurrence avec la sharia. Donc on avait dit mukhtara'a, inventée, ça veut dire que et ça revient toujours à la même définition que les choses où il y a une base dans la religion, donc ce n'est pas inventé. Donc, par la Shafi'i, donc il dit, à part l'imam Shafi'i, il y a d'autres qui ont défini la bid'a, et il dit, leurs paroles, wa aqwaluhum fi dhalika ma'alim huda. Leurs paroles sont des étendards de la guidée, en fait. Yustaba ou biha. Qui, avec lesquels, par lesquels on s'illumine pour dans ce sujet-là. Alaykoum salam wa rahmatoullah. فقد روى عن الحافظ ابن عساكر من طريق الربيع ابن سليمان قال الشافعي رضي الله عنه المحدثات من الأمور ضربان. L'imam Shafi'i, il a dit les choses nouvelles dans la religion. Muhdathat, quand on dit muhdath, ça veut dire nouvelle. Al muhdathat, min al umur darban, ils sont de deux sortes. Ahaduhuma ma uhditha yukhalifu kitaban, ou sunnatan, ou atharan, ou ijma'an, fa hadhihi bid'atu dalala. La première, c'est ce qui est nouveau, mais qui contredit le Coran et la sunna, et qui contredit une parole d'un sahabi, par exemple, et qui contredit un consensus, fa hadhihi. Ceci est l'innovation d'égarement. Et la deuxième, c'est ce qui est nouveau, mais qui est bien, dans le bien, min al-khayr. La khilafa fihi li wahid min hadha, fa hadhi muhdathatun ghayra madhmuma. Et donc, il n'y a pas de divergence sur ça, que c'est quelque chose de nouveau, mais qui n'est pas mauvais. وقال عمر رضي الله عنه في قيام رمضان نعمة البدعة هذه. عمر بن الخطاب أدي بعبور التراويح كل بون إنوفاسيون. يعني أنها محدثة لم تكن وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas, mais qui ne contredit pas ce qui était fait précédemment, qui ne contredit pas la charia. Et donc ceux qui ne veulent pas qui ne sont pas d'accord pour dire qu'il y a des bonnes innovations, ils te disent que non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le taraweh un jour, deux jours, donc ce n'est plus une innovation, mais il a fait revivre quelque chose qui existe déjà. Comme on avait dit, je pense, pour ceux qui, par rapport à le hadith, celui qui instaure une bonne sunna et celui qui instaure une mauvaise sunna. Ceux qui sont pas d'accord, ils disent que non, ce n'est pas qu'ils instaurent une mauvaise sunna, c'est qu'ils font revivre une sunna qui avait été oubliée. Mais il est évident et prouvé que ce n'est pas que ça. C'est un des sens, mais ce n'est pas que ça. Oui, ça veut dire faire revivre, mais ça veut dire aussi faire une chose qui n'était pas présente à l'époque du prophète, à condition qu'il y ait une base dans la religion.
روى عنه أبو نعيم أنه قال البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم. Et donc, toujours selon l'imam Shafi'i, un de ses élèves rapporte, la bid'a est de deux sortes. Une bonne bid'a et une mauvaise bid'a. Ce qui est concordant avec la sunna, donc c'est une bonne bid'a, et ce qui contredit est une mauvaise bid'a. Donc maintenant, on va dire quoi? On va dire que l'imam Shafi'i s'est trompé, on va dire qu'on connaît mieux que l'imam Shafi'i, au moins... Au pire des cas, on respecte cet avis. Parce que ceux qui disent que il faut entendre, hein, vous voyez bien. Vous voyez par exemple le Cheikh Fawzan, par exemple, il dit que ceux qui disent qu'il y a des bonnes innovations, il dit des mots durs sur eux. Ils contredisent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des mots durs. Donc il faut faire un peu attention. Donc après, tous ceux qui viennent en dessous parmi les gens qui sont pas versés dans les sciences religieuses et qui répètent la même chose, c'est pas de leur faute en vérité. Après, je n'ai pas envie de manquer de respect envers nos savants, etc. Mais c'est ça. Si même déjà des savants qui ont des belles barbes et qui se présentent, qui viennent d'Arabie du Saoudi et qui prononcent des phrases fortes comme ça, dans les faits contre l'imam Shafi'i et ses semblables, eh bien c'est normal qu'après, ça crée des tensions. Après, sur les réseaux sociaux, ça y va. Certains frères, ils font des commentaires par rapport aux dates précédentes que j'ai mis sur YouTube, etc. Bon, ils ne sont pas virulents, ils sont assez respectueux, mais c'est normal qu'on ne se comprend pas, en fait. « Wa ma awradahu l'imam Bayhaqi fi ma'rifati sunan wal-athar bi sanadihi » قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي بن توجر سنون الشافعي ولا أعلم التسبيح في التكبير والسلام في الصلاة إلا محدثا. Donc il a dit au niveau du tasbih dans le takbir. Donc ça c'est un acte. Comme j'ai fait le dars en arabe et j'ai pas eu le temps de chercher qu'est-ce que ça veut dire le tasbih في التكبير. Alors peut-être en tout cas ce qui est sûr c'est que la salat et tasbih, pour ceux qui connaissent cette salat et tasbih, certains disent que c'est une prière innovée. C'est-à-dire que tu fais la prière, Allahu Akbar, tu récites la Fatiha, tu récites une sourate, ensuite tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, 15 fois, ensuite pareil pour recours, Subhanallah, Rabbil Azim, ensuite tu répètes Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, un certain nombre de fois, pareil dans le sujoud, etc., qui s'appelle Salat Tasbih. Donc peut-être qu'il parle de ça. Wassalam fi salah, fi salah. Et le salam dans la salat, donc soit il s'agit du fait de dire Assalamu alaikum wa rahmatullah, parce que certains disent que le salam, c'est une sunna, que ce n'est pas obligatoire de le faire. Une fois que tu as fini ta shahoud, le fait pourquoi tu as fini la prière, donc ta prière est finie. Vous savez bien que, vous savez par exemple, si vous interrompez une salat nafila par exemple, en fait, bon, au départ, nous, on avait toujours appris qu'il faut faire un salam pour casser la prière. Parce qu'en fait, il faut faire un acte qui est en dehors de la prière. Donc pour dire que ta prière, elle est terminée. D'accord? Mais. En fait, ce n'est pas obligatoire de faire un salam pour annuler la prière. C'est-à-dire que si toi, tu enlèves ta niya, si par exemple, c'était juste avant l'Iqama, toi, tu as commencé à faire une nawafil, tu n'es que à la première raka'at, donc tu décides de couper ta prière. Donc, soit tu fais salam en étant debout, soit tu rentres dans le rang et c'est pareil. D'accord? Ou alors, mais je ne pense pas que ce soit ça, mais il y a une autre bid'a, hasana, selon certains, c'est le fait de passer le salam aux gens, de se passer le salam entre nous. On voit même les Maghrébins, ils font ça, on voit ça en France, après le Fajr, surtout après la prière de Fajr et la prière de Asr. D'accord? Ça, c'est une pratique que les gens ont. Certains savants disent que c'est une bonne innovation, qu'il n'y a pas de mal, etc. Ce n'est pas le sujet. Je ne suis pas là pour justifier toutes les bid'as qui existent dans le monde. L'autre fois, on a parlé de faire des bid'as ou peu importe comment on va la considérer, on parlait de ceux qui font des zikres en plus. Ça, c'est à part, parce que les gens du Khourouj ne sont pas directement liés au Turuq Soufi. Ça, c'est à part. Celui qui est soufi, c'est à part. Mais les gens du Khourouj, ils ne rentrent pas ce n'est pas directement lié. Celui qui est soufi et qui a des adhkar qui prend avec son chir, ça, c'est autre chose. Et on n'est pas là pour justifier ça, ni le tawassul, de faire visiter les tombes, parce que
les gens du tablir ne sont pas là pour justifier ça. Ils sont là pour appeler au Coran et à la Sunna. Vous savez bien, vous avez tous entendu, vous entendez tous, même ceux qui sont contre le khourouj, que quand ils font ce qu'on appelle les i'lan, l'annonce pour le discours après les prières, falahuna wa najahuna fi hadhihi ad-dunya wa fil akhirah, notre succès et notre bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà est uniquement dans le respect des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc après la prière et les sunnah, il y aura un rappel. Et ça, cette phrase, elle résume tout. On suit le Coran, on suit la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul objectif qui se fixe. Après, pour apprendre le Coran et la sunnah, ça c'est avec les ulama. Donc voilà. Il dit qu'on wal muhdathat, donc il dit wal muhdathat darban. أحدهما ما أحدث مخالف لكتاب أو سنة أو أثر إجماعا فهذه بدعة الضلالة. Donc c'est la même chose. Ce qui est contre le Coran et la Sunna et contre l'Athar et contre l'Ijma', donc les quatre sources unanimes de jurisprudence, le Coran, la Sunna, l'Athar par exemple, les paroles de Sahaba par exemple, et l'Ijma' et le Qiyas aussi, ça, il n'y a pas de divergence, ce sont les sources de la législation. Donc tant que ça ne contredit pas une de ces choses-là, donc il n'y a pas de problème. والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه بدعة مثبتة غير مذمومة. Donc la deuxième, c'est donc la même chose, quelque chose de bien qui ne contredit pas tout ça, donc ce n'est pas mauvais. وقال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان نعمة البدعة هذه يعني أنها محدثة لم تكن وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى. Il y aura beaucoup de répétitions dans ce qu'on dit parce qu'en fait il ne fait que réunir, faire un peu de copier-coller, hein, mais on n'est pas là pour ramener des choses nouvelles, des paroles des ulama. Donc, à chaque fois qu'on va citer l'autre parole des ulama, on va trouver que c'est les mêmes choses, les mêmes choses. C'est parce que tous les ulama disent la même chose. Donc, et c'est souvent l'exemple du Tarawih qu'on donne, et qu'il a dit, « Ni'matu, ni'matu al-bid'atu, ni'mal bid'atu, hadihi. » Quelle bonne bid'a. « Ya'ni anna hadu ahdatha lam takun, wa idha kanat falisa fiha raddun lima mada. » Ça n'existait pas à l'époque de Prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr, mais ça ne contredit pas les bases de la religion. قال أحمد قد روينا في حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته خلفه قال وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فصار هذا أصلا لما أحدث في الجمعة والله أعلم. Donc là il parle du fait de quand le prophète صلى الله عليه وسلم était malade et que sa voix était faible, le fait de quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahu Akbar par exemple avec une voix faible et que quelqu'un derrière il fait le takbir, c'est-à-dire il dit Allahu Akbar pour que les autres puissent entendre le takbir. Et ça, c'est la première fois que ça a été fait et ça a été la base par rapport au Jumu'ah parce qu'il y a du monde, donc il faut des gens qui font le takbir parce qu'avant il n'y avait pas les micros. Non. Donc ça, c'était la parole de l'imam Shafiri. Et lui, c'est un mujtahid, hein, et donc il n'y a pas de. C'est un imam. Donc, on peut difficilement remettre en cause sa parole et sa légitimité pour dire cela. Donc cela, ça pourrait presque être suffisant. D'accord ? Et toutes les autres paroles qu'on va voir, ça va être la même chose. Ici, bon, encore un Shafiri. Cheikh al-Islam, al-Hafiz al-Nawawi, parle qui s'appelle Muslim, Bab, Man Sanna, Sunatan Hasana, Aousaya. Donc ici, comme on avait dit, les hadiths qui parlent de la bid'a, ils sont de deux sortes. La première sorte, qu'on oublie d'arrêter dans l'ala. Et la deuxième sorte, man sanna fil islam sunatan hasana, wa man sanna sunatan sayya. C'est les deux sortes. Donc le premier, on doit le comprendre d'une manière, c'est-à-dire que c'est pas tout, mais c'est pour dire que, aussi, ils ont dit, la plupart des bid'a sont mauvaises. Donc des fois, dans la sharia aussi, on fait ce qu'on appelle kharaja makhraj al-gharib. Gharib. Kharaja. Des fois, je ne sais pas comment on dit en français, parce que voilà, je ne prétends pas être plus arabophone que francophone, mais il y a des termes que je n'ai pas l'habitude de dire en français. Mais c'est une expression qui dit que des fois, on dit une chose, mais en fait, dans les faits, on dit une chose, en fait, c'est la plupart du temps. D'accord ?
attention aux nouvelles choses, parce que toutes les nouvelles choses sont des bid'ah. Mais la plupart des nouvelles choses sont des bid'ah. Mais il y a des nouvelles choses qui ne le sont pas. Non. Il faut comprendre. On sait bien que le Coran et la Sunna, ça doit être compris par les ulama. C'est pas fait pour tout le monde. C'est comme une ordonnance chez un médecin. C'est pas tout le monde qui peut la comprendre. Et ça c'est clair. Donc, An-Nawawi, il a cité donc ce hadith-là, qui est très important. Celui qui instaure une bonne sunna et celui qui instaure une mauvaise sunna. Il dit, le hadith, et il y a un autre hadith qui va dans le même sens, celui qui appelle à une guidée, il aura les récompenses de tous ceux qui la font, et celui qui appelle à un égarement aura le péché de tous ceux qui le font. Donc, il dit ces deux hadiths-là, « Hadan al-hadithan, sarihani fil hath ala istihbabi san al-umur al-hafana wa tahrim san al-umur sayya » Ces deux hadiths sont clairs pour encourager à instaurer des bonnes sunnas et l'interdiction d'instaurer des mauvaises sunnas. Wa anna man sanna sunnatan hasana kana lahu mithla ajra kull man ya'malu biha ila yawm al-qiyamah wa man sanna sunnatan sayya kana alayhi mithla wizra kull man ya'malu biha ila yawm al-qiyamah. Donc que celui qui fait une bonne bid'a, une bonne innovation, celui qui instaure une bonne sunna, il aura la récompense de tous ceux qui le font après lui, et celui qui instaure une mauvaise sunna, il aura les péchés de tous ceux qui le font après lui. Wa anna man da'a ila huda kana lahu mithla ajri mutabi'i ila ou ila dhalala fa kana 'ali mithla athami tabi'i, et que celui qui appelle à une guidée, il a les récompenses de ceux qui le font, et celui qui appelle à un égarement, il a le péché de tous ceux qui le font. Sawa'un, ça c'est très important. Akana dhalika al-huda wa ad-dhalala huwa alladhi ibtada'ahu am kana masbuqan ilayhi. Que ce soit cette sunna que tu as instaurée, c'est toi qui été le premier à la faire, ou alors elle avait déjà été faite devant toi. Donc c'est soit tu fais revivre une sunna que les gens ont oublié, ils ont donné les exemples n'importe. Par exemple, la barbe, par exemple, si on dit que c'est une sunna. Donc si toi tu encourages les gens à laisser pousser la barbe, etc., donc tu as fait revivre une sunna, et donc tous ceux qui pourront revivre cette sunna après toi, tu gagneras la récompense. Non. Et vice-versa. Non. Wa kana dhalika. Alors, et que ce soit ta'lim dans le domaine de l'enseignement, c'est-à-dire que tu innoves quelque chose dans le domaine de l'enseignement. Et tout ce qu'on a comme université, licence en sharia, master en sharia, doctorat en sharia, toutes ces choses-là, eh bien, ça n'existait pas avant. Alors, que ce soit dans l'enseignement, ou ibad, parce que lui, c'est un shafiri. Chez les shafiris, c'est clair et net. Il y a des bonnes innovations même dans les adorations. Et il y a plein d'exemples sur ça. Naam. Ou adab, ou dans les comportements. Naam. Ou rayvizal, ou autre chose. Je parle de l'imam Nawawi, je rappelle. Après, le but, ce n'est pas de citer les noms, de dire l'imam Nawawi, j'écris en majuscule. L'imam Nawawi, rahimahullah. Ce n'est pas le but. Le but, c'est le ilm. Ici, on n'est pas pour là pour suivre les noms. J'ai dit au départ, celui qui veut les dalils, qui veut ouvrir le moteur et savoir exactement ce qu'il y a dedans, voilà les paroles du ilm, pour ceux qui sont capables de comprendre. Et ceux qui veulent les fatwas, à la fin, il y a les fatwas, le résultat, pour savoir des gens du ilm qui ont dit que le khuruj, c'est une bonne chose. Et on va voir des paroles d'Ibn Baz, mais ça, c'est une surprise pour après. Naam. وسواء كان نعم فعمل بها بعده اكي يتفي après lui فمعناه انه سنها سواء كان العمل بها في حياته او بعد موته. Donc que ce soit que la personne, que les gens fassent cette sunna que tu as instaurée de ton vivant ou après ta mort. Et je disais, quand je faisais le dars en arabe vendredi passé, je suis tombé sur un khatib dans une grande mosquée qui est sûr et certain parmi les gens du Khourouj. Ça se voit au discours qu'il a tenu, parce qu'il parlait de la miséricorde et le souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le jour du jugement, ils disent « Ummati, Ummati ». Donc c'est clair que ça s'est signé. Et ensuite, il a cité justement ce hadith-là, et en disant que, vous connaissez l'histoire de ce hadith, aïe, 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 je parle trop, il reste que 10 minutes. Alors, non. Vous connaissez l'histoire de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des gens arriver
qui étaient dans un état lamentable de pauvreté. On voyait sur leur visage et sur leurs habits les traces vraiment de la pauvreté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui a fait mal au cœur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on veut, il a improvisé quelque chose. Il a dit à tout le monde, celui qui peut ramener des habits, celui qui peut ramener de la nourriture, celui qui peut ramener de l'argent, qu'il le fasse là tout de suite. Allez, on fait quelque chose. Et au bout de quelques instants, quand il a vu les habits, quand il a vu tous ces réunis, son visage est devenu mudhabar, comme un morceau de, une pièce en or en fait. Vous savez, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était content, ça se voyait. Donc il est passé d'un visage triste à un visage content. Parce qu'il a improvisé quelque chose, là comme ça sur le tas, d'accord ? Et il a dit ce hadith, celui qui instaure une bonne sunnah, celui qui instaure une mauvaise sunnah. Donc, aujourd'hui, quand la situation change, quand on voit que, par exemple, les musulmans sont plus dans leur religion, tu as des musulmans qui ne prient pas, tu as des musulmans qui ne savent même pas dire « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah », tu as des musulmans qui font n'importe quoi. Donc la situation a changé, donc il faut faire quelque chose. D'accord ? Et même Ibn Taymiyyah, il le dit dans Majmou' al-Fatawa, même s'il fait partie des gens qui disent qu'il n'y a pas de bonne bid'a, dans Majmou' al-Fatawa, il dit une parole un peu compliquée qui dit que voilà, bon, par rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il y a un point important, c'est que parmi les choses qu'on considère comme bid'a, c'est le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Ça s'appelle at-tark. Et ça, c'est aussi un sujet de usul fiqh. Est-ce que le fait que le prophète sallam n'ait pas fait quelque chose, ça veut dire que c'est interdit de le faire, c'est haram de le faire? Ça, c'est tout un chapitre dans usul fiqh. Il y a des livres entiers qui sont écrits là-dessus. Donc l'imam Ibn Taymiyyah, il parle de ça. Donc il dit que quand il y a un acte, il faut des, pour qu'un acte soit fait, il faut que les conditions soient réunies, il ne faut pas qu'il y ait des choses qui l'interdisent. Bon, il parle un peu compliqué, je ne vais pas retourner dans son entièreté. Mais il dit, mais quand la situation change, et que la situation impose qu'on fasse quelque chose et qu'il n'y a pas, et que les conditions sont réunies et qu'il n'y a pas des choses qui l'interdisent, alors il n'y a pas de mal à le faire. Et il a cité l'exemple de réunir le Coran dans un mushaf. Et on voit bien que même Abou Bakr, il a cité ça. Il a dit, mais comment on va réunir le Coran dans un mushaf alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait? Mais Omar ibn Khattab, il a dit « Huwa wallahi khayr, wallahi c'est un bien ». D'accord ? Donc ça, c'est tout un sujet. Donc on va terminer sur ça, il reste 7 minutes. Si vous voulez bien, on va reprendre, parce que franchement, je ne voudrais pas en rester là. Après, ça dépend, parce que 40 minutes, c'est déjà beaucoup. Peut-être qu'on va rester là, je ne sais pas. En tout cas, je termine sur ça, il reste 6 minutes. Le tark, c'est important. Donc, il a dit que voilà, donc si la situation s'impose, eh bien, il faut le faire tant que ça ne contredit pas. Donc, réunir le Coran dans un seul mushaf et tout ce qu'on connaît. Le fait de Asma al-Rijal, Ilm al-Hadith, il a cité, le fait de citer les noms de toutes les chaînes de transmission, ça n'existait pas avant, et toutes ces choses-là. Par rapport au Tark, c'est vrai que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait quelque chose, qu'on ne fasse pas quelque chose, on pourrait dire que ça veut dire qu'on ne peut pas le faire. Parce que quand, par exemple, on a présenté la viande, alors l'ahmed dob, je ne sais même plus c'est quoi, si c'est de hérisson, je crois, on va dire ça. On a présenté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu en manger. Et il y avait Khalid ibn Walid, il a dit, est-ce que c'est haram? Il a dit, non, ce n'est pas haram. Sauf que moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, moi, il n'y a pas ça chez moi. Et franchement, ça me plaît pas. Et Khalid ibn Walid, il a dit, ok, alors il a mangé bien comme il faut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regarde. Donc ça prouve quand même que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas quelque chose, eh bien ça peut vouloir dire qu'il ne faut pas le faire. Mais par contre, d'un autre côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne buvait pas d'alcool, alors que c'était on va dire, moubah. Les gens buvaient de l'alcool, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne buvait pas. Si le fait de ne pas faire une chose, ça veut dire que c'est haram de le faire, donc ça veut dire que l'alcool, les gens n'auraient jamais dû en boire. Vous voyez un peu? Donc les choses ne sont pas si simples. Mais en gros, on peut dire que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas fait une chose, ça ne veut rien dire. Ça, c'est vraiment le résumé des paroles des savants. Il faut un dalil en plus pour montrer, ou alors il faut prouver que ça ne contredit pas, ça contredit le Coran et la Sunna. Naam.
Donc, il reste 4 minutes. Donc, ici, on était sur donc, la parole de l'imam Nawawi. Donc, ici, l'auteur, Cheikh Ayman Abou Shad, il dit « Fanzur ila kalami hadha l'imam al-jalim. Anna hadhain al-hadithain sarihan fil hath ala istihbab san al-umur al-hasana. » Regardez la parole de cet imam, que ces deux hadiths sont clairs pour encourager à instaurer des bonnes choses. « Wahal ma sannahu ahlu da'wati min asalib fi da'watihim illa mundarij tahta zalik » Et est-ce que ce qu'ont fait les gens de Tablir, est-ce que ça ne rentre pas là-dedans? Est-ce que ça ne rentre pas là-dedans? Non. Donc voilà, donc ici, juste on va conclure, là, il reste 3 minutes par rapport à ça. Après, pour ceux qui le veulent, on va reprendre deuxième assise, on va, Inch'Allah, essayer de terminer la troisième, quatrième, sixième parole, en vérité, ouais, on va finir à l'aise. On va finir à l'aise. Donc, juste pour dire que tout ce que les gens de Tablir font, chaque chose, on peut le prouver avec le Coran et la Sunna. Mais ça, on verra ça après. Une fois qu'on aura bien décortiqué en théorie qu'est-ce que c'est la bid'a, qu'est-ce que c'est pas, tous les points théoriques, après, on va mettre en pratique. Sur, par exemple, tahdid al-awqat, le fait de déterminer des temps. On va parler de tout ça. Le fait de dire qu'on va sortir 3 jours, on va sortir 40 jours, ou toutes ces choses-là. D'accord ? Donc voilà. Et donc, juste pour terminer, donc, les 2 minutes qui restent, dire que le but, encore une fois, ce n'est pas de créer des polémiques. Les polémiques, en réalité, il faut le savoir, c'est quelque chose de très, 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 très néfaste pour plusieurs raisons. Parmi les raisons, c'est que la polémique, ça nous empêche d'agir, d'être dans l'action. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui est dans l'action n'a pas le temps de polémiquer. Il n'en a pas le temps. En réalité, ce qu'on est en train de faire, là c'est juste vraiment pour dire, c'est pas pour le but de polémiquer, mais quand on est dans l'action, quand tu es occupé à faire quelque chose, en fait, tu n'as pas le temps de rentrer dans les polémiques. Donc ici, le but, c'est que ceux qui sortent déjà en rouge, ben, de toute façon, quand on fait quelque chose, c'est important de savoir pourquoi on le fait et d'être tranquillisé, de savoir que voilà, ce que je fais, ce n'est pas une bid'a, parce que des fois, on peut se sentir un peu mal à l'aise, de se dire ah, peut-être que je suis un innovateur, on se sent pas bien, etc. Et pour ceux qui ont été, je ne sais pas comment dire, mais qui ont été induits en erreur, on va le voir par certains, en voulant montrer qu'il n'y a qu'une seule chose, parce que je l'ai dit, je crois, la semaine dernière, j'étais un peu emporté, mais je dis que, en fait, on verra que 90% des savants disent tout ce qui a été expliqué pour qu'il y ait de bonnes et mauvaises bid'a. En fait, c'est 90% des savants. Donc, essayer de montrer comme ça que non, il n'y a pas de bonnes et mauvaises innovations, parce que c'est ce qui est ancré dans l'esprit de la plupart des gens. Et je demande aux gens, ils disent non, il n'y a pas de bonnes et mauvaises. Même si l'imam Shafiri a dit, ah ben l'imam Shafiri, ce n'est pas un prophète, il peut se tromper. Tu vois? Donc, voilà. Donc, et le Mohim, on va continuer. Ici, là, on va citer la parole d'un imam de Hanafi. Donc, pour ceux qui le veulent, Inch'Allah, on poursuit. Jazakum Allah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc on reprend إن شاء الله تعالى. Donc ici, la troisième parole sur les 6, c'est la parole de Al-Ayni. Al-Ayni, qui est un imam Hanafi, qui a écrit aussi un charh de Sahih al-Bukhari.
الشرح de Sahih al-Bukhari, et qui a sa mosquée juste derrière la mosquée de l'Azhar, qui s'appelle Madrasat al-Aini. C'est l'endroit où il enseignait. Il enseignait quoi. Les gens ne sont pas encore connectés. Je ne sais pas. Non. Donc je disais, la troisième parole, c'est la parole de l'imam al-Aini. نعم والبدعة لغة كل شيء عمل على غير مثال سابق وشرعا إحداث ما لم يكن له أصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على قسمين بدعة ضلالة وبدعة حسنة وهي ما رآه المسلمون حسنة ولا يكون مخالفا للكتاب أو السنة أو الإجماع نبتدي linguistique la sunna c'est toute chose qui a été faite sans qu'il y ait de précédent. Kullu shay'in umila ala ghayri mithalin sabiq. Ça, c'est linguistiquement. Tout ce qui est bid'a, c'est ce qui a été fait sans avoir de précédent. Wa shar'an et dans l'istilah, c'est-à-dire dans le jargon du fiqh, de la législation. Wa ihdath, ihdath ma lam yakun lahu aslun. C'est le fait de d'innover ihdath ma lam yakun lahu aslun fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui n'a pas de base, qui n'a pas été fait, qui n'avait pas de base ici à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est de deux sortes, bid'atu dalala wa bid'atu hasana. Il est de deux sortes, bid'a d'égarement et bid'a hasana. وَهِيَ مَا رَأَوْ مُسْلِمُونَ حَسَنَا. Et c'est ce que les musulmans ont vu comme bien. Donc quand ici, alors je rappelle que c'est ici, donc on va dire que c'est, on a cité les deux paroles des A'imma Shafi'iyya. Ici, on a un imam des Ahnaf qui dit donc qu'il y a des bid'a d'égarement, bid'a, des bonnes bid'a. Et c'est ce que les musulmans voient comme bien. Donc cette phrase-là, elle est reprise, et vous savez que les paroles des imams, elles sont prises des paroles de ceux qui les ont précédés, c'est-à-dire des tabi'in et des sahaba. En général, les imams, Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, ils sont de la catégorie des atba' tabi'in, c'est-à-dire la catégorie en fait, des petits-enfants des compagnons, en général. L'imam Ahmed, c'est le plus reculé. Et le premier, c'est l'imam Abu Hanifa, c'est le plus ancien. D'accord? Et en général, les paroles qu'ils prennent, en vérité, c'est pratiquement du copier-coller de ce qu'ils ont entendu des tabi'in, des sahaba. Sauf que nous, pareil, on peut pas ouvrir le moteur et voir d'où ils ont pris ça. Mais en général, ils ont pris des tabi'in, qui sont leurs enseignants, et les tabi'in qui ont pris ça des sahaba. Mais c'est pas toute chose dont on peut savoir exactement d'où ils l'ont pris. Nous, en fait, on prend la chose déjà prête à, déjà, comme on dit, prête à porter. D'accord? Et ça, il faut le comprendre. Et c'est pour ça que c'est important de suivre les imams et les imams de chaque madhhab avec des chaînes de transmission. Parce qu'en réalité, il ne faut pas croire que toute chose que tu suis, tu peux tout comprendre tout de suite. Ça, c'est vraiment une erreur de le penser. Et je le dis, hein, et je le répéterai souvent. Tous ceux qui appellent de près ou de loin à ne pas suivre un madhhab, et je pèse mes mots, et on en reparlera, ils sont en train de détruire l'islam. Voilà, je le dis en une phrase pour que ce soit clair, c'est un peu fort, mais il n'y a pas autre chose à dire. Al-la madhhabiyya qantaratu ila la diniyya. Le fait de ne pas suivre un madhhab, c'est la porte ouverte pour ne plus suivre de religion, du tout. On en reparlera. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais, parce que si on ne suit pas l'imam Abu Hanifa, avec sa piété, avec sa science, avec le fait qu'il était proche, plus proche de l'époque du Tabiri, et ce n'est pas obligatoirement que tout ce qu'on connaît aujourd'hui est écrit. Et puis aussi, c'est pas, notre religion n'est pas basée que sur ce qui est écrit. On a ce qui est écrit et la compréhension qui va avec. Quand on dit avec la compréhension des prédécesseurs, c'est ça. Et des fois, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été écrites, mais que les gens ont mémorisé.
Donc, si toi, tu veux se battre que sur ce qui est écrit, on va tomber dans des grandes erreurs. Ça, il faut le savoir. D'accord ? Il faut avoir cette confiance. Il faut savoir que quand on suit les imams et jusqu'à nos jours, pour garder cette chaîne de transmission, c'est hyper important. Ça, c'est clair et c'est net. Et ça, ouais, il faut que ce soit clair. Ça veut dire pour tous ceux qui m'écoutent et ceux qui me suivent, c'est-à-dire que moi, le principe, il est clair. Il y a ces trois domaines de la religion. Le domaine de l'aqida, c'est-à-dire la conception d'Allah, la partie théorique de notre conception d'Allah, il y a des choses qui sont avec chaîne de transmission. Le madhhab des Ash'ari, il est avec chaîne de transmission. Mais là, ce n'est pas le sujet. Là, quand je parle de Tablir, je ne parle pas de ça. C'est-à-dire que je ne suis pas censé en parler de ça. D'accord ? Ça, c'est le manhaj des ulama. Le manhaj des ulama. Et le but du Tablir, c'est de que les musulmans reviennent à leur religion et qu'ils comprennent qu'ils doivent revenir aux ulama et revenir à ce qui a toujours été avec des chaînes de transmission. Et pas on suit quelqu'un comme ça qui sort de nulle part. Donc dans l'aqida, la conception d'Allah et de tous les deux sujets, des piliers du iman. Dans le fiqh, c'est-à-dire le hadith de Jibril, mal iman, les six piliers, mal islam, les cinq piliers, donc les actions du corps, la prière, le jeûne, la zakat, on suit un madhhab, c'est-à-dire leur compréhension du Coran et de la Sunna. Parce qu'il ne faut pas prétendre pouvoir comprendre tout le monde du Coran et de la Sunna. D'accord ? Il y a plein, vous connaissez les paroles. Une fois, il y a une dame en Mauritanie, dans les temps anciens. On lui a dit, elle a demandé à un juge de juger pour elle. Elle a dit, est-ce que tu veux que je juge selon le Coran et la Sunna, ou alors est-ce que tu veux que je juge selon le madhhab de l'imam Malik? Et cette dame, qui n'était pas une savante ou quoi que ce soit, mais qui avait la bonne compréhension, elle a dit, je préfère que tu juges selon le madhhab de l'imam Malik. Et cet homme, il a dit, mais comment ça? Moi, je viens avec le Coran et la Sunna, et toi, tu dis que tu veux que je juge selon l'imam Malik? Mais elle a dit, moi, j'ai plus confiance en la compréhension de l'imam Malik du Coran et de la Sunna que ta compréhension à toi. Toi, tu viens à la fin des temps comme ça et tu vas me dire comment on peut comprendre le Coran et la Sunna. C'est pas comme ça. Non. Donc, on reprend. Donc, il a dit la même chose, en fait. D'accord ? C'est-à-dire que linguistiquement, c'est toute chose nouvelle et que Shar'an, c'est les choses qui n'ont pas de base. D'accord ? Wa ma ra'a muslimun hasana, ça, c'est une parole, c'est ce que je voulais dire au départ. C'est une parole d'Ibn Mas'ud, je crois. Ma ra'ahu al-muslimuna hasana fa huwa 'inda Allah hasana. Ce que les musulmans, quand un grand nombre de musulmans voient une chose bien, Inch'Allah, auprès d'Allah, c'est une chose bien. Et ce que les musulmans voient comme mauvais, Inch'Allah, auprès d'Allah, c'est une chose mauvaise. D'accord ? Par contre, ceux qui sont contre la bid'a, ils ont dit la même parole au contraire. Ils disent, man ibtada'a fil islam bid'atan fa ra'ahu hasana. C'est lui qui fait une innovation, mais qui la voit bien. Voilà. Donc, quatrième parole. قال العلامة الحديدي رحمه الله في شرح نهج البلاغة. Donc, الحديدي, je ne sais pas c'est quoi son madhhab, mais en tout cas, il a expliqué نهج البلاغة. Peut-être que c'est, vous savez, il y a le madhhab aussi de Ahl al-Bayt, de Ja'far al-Sadiq. Peut-être que c'est son madhhab, parce qu'il a essayé, je pense qu'il a essayé de prendre des paroles de chaque madhhab. لفظ بدعة يطلق على مفهومين أحدهما ما خلف به الكتاب والسنة مثل الصوم يوم النحر وأيام التشريق. فإنه وإن كان صوما إلا أنه منهي عنه. نعم. Donc il dit, le mot bid'a, il a deux compréhensions. Le premier, donc retenez bien, ma khulifa bihi al-kitab wa sunnah mithl sawm yawm an-nahr. Celui qui contredit le Coran et la Sunna, comme le fait de jeûner le jour du Eid, et le jour de l'égorgement, et les jours du tashriq, et les jours d'après. فإنه وإن كان صوما, même si c'est un jeûne, mais il est interdit. والثاني ما لم يرد فيه نص بل سكت عنه ففعله المسلمون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. La deuxième compréhension, c'est la chose sur laquelle il n'y a pas de texte précis direct. Naam, parce que l'imam Ibn Hajar, par exemple, il dit que pour expliquer كل بدعة ضلالة, toute innovation est un égarement. C'est-à-dire qu'il faut comprendre pas de toute innovation dans laquelle laïsa lahu dalil
عام ولا خاص, qui n'a pas de dalil global ni même spécifique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Un dalil global, c'est-à-dire un dalil qui vient directement du Coran ou directement de la Sunna. Et ce qu'il appelle dalil spécifique, c'est par exemple le qiyas, ou alors l'ijma, ou alors d'autres sources qui ne sont pas unanimes, mais des sources de législation, comme al-masalih al-mursala, qui sont beaucoup chez les malikites. D'ailleurs, les malikites, qui sont l'imam Malik, qui est considéré comme ceux qui disent qu'il n'y a pas de bonnes innovations, mais pourtant, l'imam Malik, c'est celui qui utilise le plus al-masalih al-mursala, qui est l'autre nom donné par ceux qui disent qu'il n'y a pas de bonne bid'a. Ce que les autres appellent bonne bid'a, les autres appellent ça masalih al-mursala, c'est-à-dire les intérêts ouverts. Mursala, ça veut dire les choses qui peuvent arriver dans les choses nouvelles qui peuvent se produire dans le futur. C'est ouvert, c'est maftour. Non. Donc, la deuxième chose sur laquelle il n'y a pas de texte, et sukita anhu, ça n'a pas été évoqué. Mais les musulmans l'ont fait après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute innovation est un égarement, et tout égarement va en enfer. Donc on doit le comprendre selon l'explication, la compréhension de la bid'a, la première, on a dit quoi? C'est ma roulipa bihi al-kitab wa sunnah. C'est-à-dire toute bid'a qui contredit le Coran, la sunnah. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce hadith. Wa qawlu Umar radiallahu anhu fi salat al-tarawih. Et la parole de Omar, c'est aussi comme ça qu'il faut la comprendre. Wa innaha la bid'atun wa ni'matu bid'ati hadhihi. Et par contre, non, excusez-moi. Le hadith, la parole de Omar, quelle bonne bid'a, il faut la comprendre selon la deuxième compréhension. La deuxième compréhension, c'est quoi? C'est la chose sur laquelle il n'y a pas de texte direct du Coran, de la Sunna, mais que les gens ont fait après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ça c'était la quatrième parole. La cinquième, l'imam al-Zarkashi, rahmahullah ta'ala, qala fi qawa'idihi, al-bid'atu fi shar mawdu'a lil-hadith al-mazmoum. En une phrase. La bid'a dans le shara, et donc je me répète, quand on dit istilahan, c'est-à-dire dans sharia, quand on dit bid'a, on veut dire par là que les choses mauvaises, les choses nouvelles mauvaises. D'accord? Ça c'est dans sharia. Mais linguistiquement, ça peut être des bonnes comme des mauvaises. Naam. Donc, Zarkashi, il faut savoir qui c'est Zarkashi. C'est quelqu'un d'incontournable dans la science de Usul al-Fiqh. Et pareil, la science de Usul al-Fiqh, c'est une science que les gens aujourd'hui qui se disent salafis, en réalité, dans ce domaine, et en vérité dans tous les domaines, moi, je n'ai pas envie de dire des paroles qui vont être... je n'ai pas envie de provoquer qui que ce soit. Les gens qui me connaissent, ils savent que ce n'est pas mon tempérament. Je ne suis pas là pour provoquer les gens. Vous savez bien que moi, je respecte tout le monde. Je n'ai pas envie de créer des polémiques. Je ne suis pas quelqu'un comme ça, vous le savez. Mais la science de Usul al-Fiqh, à la base, de toute façon, en fait, comment dirais-je, les gens qui se disent salafis, en fait, dans tous les ulum de Sharia, en fait, ils marchent comme sur des mines. Vous savez, un terrain miné, c'est-à-dire partout, n'importe quel livre, qui vont prendre ce livre-là, ce livre-là, ce livre-là, celui-là, 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 celui-là. N'importe quel livre de sharia, dans le tafsir, dans la langue arabe, dans l'ilm al-balara, dans toutes les sciences que vous voulez, dans la science du hadith, l'explication des hadiths. Qui a expliqué Sahih al-Bukhari? Qui a expliqué Sahih al-Muslim? Qui a expliqué tout ça? Qui a expliqué le Coran, le tafsir du Coran, le tafsir des hadiths? Et la science de Usul al-Fiqh, tout incontournablement, tu trouveras des gens qui sont vers Madhab, des gens qui sont Ash'ari, d'accord, et des gens qui sont soufis. C'est ça le troisième point. Le Ihsan, le Hadith de Jibril. C'est-à-dire la science qui nous permet de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala.
avec des chaînes de transmission qui remontent jusqu'à Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ce n'est pas des choses innovantes. Mais ça, ce n'est pas le sujet. Quand on parle de Tablir, on ne parle ni de Soufi, on ne parle ni de Madhab, et on ne parle ni de Ash'ari. Ça, c'est en dehors du sujet. Le but du Tablir, c'est que les musulmans sachent qu'il faut qu'ils reviennent vers le Coran et vers la Sunna, et qu'ils reviennent vers les héritiers des prophètes. Mais les vrais, attention. Ça, il faut dire les choses aussi. On est obligé de le dire. Les vrais savants. Pas des gens qui ramènent un ilm sans chaîne de transmission. Il faut dire les choses, je suis désolé. D'accord ? Ibn Taymiyyah, lui-même, n'a pas suivi ce que son père et son grand-père, qui étaient des grands ulama Hanbali, ont enseigné. Ce qu'il dit là, on ne sait pas d'où il l'a sorti. En tout cas, c'est pas fait. Tous ces chouyours chez qui il a appris, c'est pas cette là. Même Ibn Qayyim, c'est la même chose. Sauf qu'après, il a suivi Ibn Taymiyyah et en souffrant. Mais à son époque, il était très, 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 très marginal. Ce n'est pas un argument ou un contre-argument, mais voilà, il faut le dire aussi. Et donc, il n'y a pas eu de chaîne de transmission par rapport à ces enseignements. Après, Ibn Abd al-Wahhab, il est venu, il a repris cet enseignement-là sans vraiment chaîne de transmission. Mais ça, voilà. Et c'est des choses qu'il faut dire et que personne ne peut réellement dire le contraire. Après, bien sûr, les gens vont vouloir dire le contraire, mais voilà. Tout le but, c'est de revenir aux vrais savants qui ont des chaînes de transmission dans tout ce qu'ils disent, dans l'aqida, dans le fiqh et dans la façon de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Zarkashi, c'est un savant incontournable. Sixièmement, As-Sayyid As-Sanad. Il n'a même pas dit Al-Jurjan. Normalement, là, c'est des paroles pour les Toulab al-Ilm. Normalement, ils doivent connaître. D'accord ? Mais j'avoue que moi, quand j'ai lu Fi Ta'rifatihi, le contenteur Fi Ta'rifatihi, dans son livre de Ta'rifat, donc c'est ce livre-là, qui est incontournable aussi. Imam Al-Jurjani, Al-Hanafi, hein, et qui était sûrement Ash'ari, je ne sais pas, mais c'est presque sûr. Il a fait des Ta'rifat de tous les termes dans la législation, tous les termes. Le mot bid'a, le mot sunnah, chaque terme dans Sharia, dans le fiqh, c'est la référence. On voit son. Et en général, il y a une expression pour les Toulabérim qui connaissent, on dit As-Sayyid wa Sa'd. As-Sayyid wa Sa'd. As-Sayyid, c'est Al-Jurjani, et Sa'd, c'est Sa'd al-Taftazani, qu'on avait cité dans le dars précédent. Pareil, incontournable. Mais c'est des gens qui sont comme ça. Le triptyque. Ash'ari, avec un madhab. Ash'ari, avec un madhab, et tous. C'est la carte d'identité. Tu dois avoir les trois. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, parce que le but, c'est pas de faire des polémiques. Maintenant, être salafi, c'est un madhab comme un autre, alors on doit le respecter. On n'est pas là pour dire ah, vous êtes des innovateurs, etc. C'est pas le but. On n'a pas besoin de ça à notre époque. Wallah, on n'a pas besoin de ça. Mais on ne veut pas la division. Pardon, s'il vous plaît. C'est ça qu'on demande. On ne veut pas la division. Donc, si les gens veulent prendre une parole marginale pour l'imposer à tout le monde et dire que celui qui ne dit pas ça, il est tout à dire, ça on ne veut pas. Donc, Al-Jurjani, il a dit Al-Bid'a, hiya al-amr, al-muhdath, alladhi lam yakun alayhi as-sahaba wa at-tabi'un, wa lam yakun min maqtadahu ad-dalil ash-shar'i. Donc, c'est toujours la même chose. La bid'a, c'est une chose nouvelle qui n'était pas à l'époque des sahaba et des tabi'un. Les sahaba ne l'ont pas fait. Les tabi'in ne l'ont pas fait. Ça a été fait après. Mais par contre, s'il n'y a pas de dalil, là, c'est une bid'a. Mais ici, en fait, dans ce ta'rif, des fois, ils sont très courts, mais il y a tout dedans. Il a bien cité Sahaba wa Tabi'un. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Les Sahaba ne l'ont pas fait. Les Tabi'in ne l'ont pas fait. Mais par contre, le seul curseur, c'est est-ce qu'il y a un dalil ou pas. Même si ça a été fait, Inch'Allah. Donc là, les gens disent oui, Mohamed Ilyas, il est venu il y a 100 ans. Inch'Allah, oui, il y a 100 ans. Mais si ce qui fait il y a des dalils clairs du Coran et de la Sunna, ça ne pose pas de problème. Non. Donc ça, c'est la sixième, on a terminé. Donc ici, l'auteur est dit, قلت فالحاصل ما سبق أن البدعة عند الأئمة رضي الله عنهم لها معنى. Donc, en résumé, chez les savants, chez les imams, parce que là, il en a cité que six, mais on aurait pu en citer encore plus. Après, bien sûr, il y en a, comme on a dit, qui disent
que non, non, il n'y a pas de bonne bid'a, de mauvaise bid'a. Mais de toute façon, il va en parler après. Mais on va voir comment on va comprendre ces deux choses-là. C'est qu'en fait, on a dit il y a trois madhhab. Il y a deux madhhab, en fait, qui concordent, mais qui ne disent pas la même chose. Et vous savez, la qa'ida, elle dit « Al-ibra bi al-haqa'iq la bil-musammayat ». L'important, c'est le fond des choses, la vérité des choses, pas les noms. Ça, c'est une règle de base dans les... Pareil, le qa'ida fiqhiyya, donc c'est pareil. Toutes ces sciences qu'on apprend, qa'ida fiqhiyya, peut-être que certains ne connaissent pas ici, mais c'est une science. Il y a des qa'ida usuliyya. Et pareil, dans toutes ces sciences-là, c'est incontournable. Ce sera des gens qui ont toujours le triptyque. D'accord ? Et parmi les bid'a, parmi les qa'ida, de qa'ida fiqhiyya, une qui est basée sur le hadith, innamal a'mal bil niyyat, toutes les actions ne valent que par leurs intentions. Et de ça, on découle une règle, c'est que ce soit dans les contrats, on dit dans les contrats, « Al-ibra fi al-uqud fi al-maqasid wal-ma'ani laysa fi al-alfadhi wal-mabani » Dans les contrats, dans un contrat, quand tu fais un contrat avec quelqu'un commercial, l'important c'est « al-maqasid » les intentions, les objectifs « wal-ma'ani » et les sens. Laisse fil alfaz wal mabani, c'est pas dans les mots et dans la forme. Le mabani c'est la coquille en fait, d'accord? Le mot en tant que tel, le mot écrit. L'important c'est pas le mot écrit, l'important c'est ce qu'il y a dans le mot. Et cette qaïda on peut aussi l'expliquer, mais ça c'est à part, ça c'est en dehors du tablir. Là je parle en dehors du tablir, même dans l'aqida, d'accord? C'est-à-dire que quand Allah Azza wa Jalla dit Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, béni soit celui dans les mains de qui est la royauté, l'important c'est al-maqsad wal-ma'na, l'objectif de cette phrase et le sens de cette phrase. Wa laysa fil alfaz wal-mabna, et c'est pas dans le mot en lui-même et la coquille du mot. Quand tu dis Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, la phrase entière, on est tous d'accord que Allah Azza wa Jalla dans sa main à toute chose. Allah Azza wa Jalla possède toute chose. On aurait pu dire aussi lahul mulk. Tabarak alladhi lahul mulk. Si on avait dit ça comme ça, béni soit celui qui a la royauté, il n'y aurait pas eu de problème. Le problème, il se pose quand on dit tabarak alladhi biyadihi mulk. À partir du moment où on a dit biyadihi, ce mot, c'est là que ça pose problème. Il y a qui dit, Donc ça veut dire qu'Allah a une main. Et tu dis non, mais ce n'est pas le but de la phrase. Et hop, c'est parti. Depuis des siècles, on diverge sur ça. D'accord ? Donc, si on voit cette qa'ida, et moi, je dis toujours, les qa'idas, elles sont faites pour apporter l'union. Quand on apprend la science, qu'Allah nous préserve d'apprendre la science pour chercher à faire la division. Ah, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Attends, tu vas voir. Je vais faire un post sur Facebook. Je vais faire un post. Je vais leur montrer qu'ils ne connaissent rien. Ouais, les gens, ils font ça. C'est n'importe quoi. Non, 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 ce n'est pas le but. D'accord ? Ça, c'était juste un exemple. Donc, ici, donc pour dire que il y a deux madhhab qui se concordent, mais ils ne disent pas la même chose. Il y en a qui vont dire bid'a hasana, et l'autre, ils vont dire non, c'est maslaha mursala. Par contre, il y a un troisième madhhab, et j'ai l'impression que les salafis d'aujourd'hui sont de ce madhhab-là, c'est-à-dire que tout ce qui est fait après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, c'est une bid'a. Donc, du coup, même si là, ils ne peuvent pas le dire directement, mais ça veut dire que ça va les amener à taxer même les Sahaba d'avoir fait des bid'a. Et ça, c'est arrivé. L'imam Albani, on a cité tout à l'heure, le fait qu'Othman ibn Affan, il a instauré un Eden avant l'heure. L'imam Albani a dit que c'est une bid'a. Certes, même l'imam Shafiri, il dit que ce qui était fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est... Parce que l'imam Shafiri, en réalité, subhanallah, tu vois, en réalité, quand on regarde, parce que moi maintenant, j'étudie en fait, et j'enseigne en même temps le manhaj Shafiri, donc je commence à m'habituer à son manhaj, il est très, très, très attaché au texte, en réalité. Très, très attaché au texte. Et donc, il dit que faire comme c'était à l'époque des Sahaba, c'est bien, c'est préférable pour moi.
préfère faire pour moi. Vous voyez un peu le paradoxe. Donc, mais ceci étant dit, il faut faire attention, quoi, parce que si même des sahabas, tu vas les traiter d'innovateurs, alors à plus forte raison, ceux qui en a. Mais ça, c'est un vrai. Là, par contre, c'est une vraie divergence. Si tu dis, ah, ce n'était pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est une bid'a. Donc là, c'est une vraie divergence. Donc il dit, première chose, ma'na al-khas, le sens spécifique de la bid'a, ou al-hadith al-mazmoum. Ça, c'est al-khas al-shar'i. Istilahan, c'est spécifique pour l'innovation mauvaise. Et ça va être le prochain das, ça va être sur ça. On va citer les paroles de ceux qui ont dit que le hadith qui disent toutes les mauvaises innovations sont mauvaises, c'est spécifique sur les mauvaises bid'ahs. Mais les bonnes bid'ahs ne rentrent pas dans ce hadith. Al-mukhalif al-kitab wa sunna wa al-ijma wa qawa'id al-shara. وعلى هذا المعنى تحمل كل الأحاديث التي وردت في ذم البدعة كقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre tous les hadiths qui réprimandent la bid'a, même s'ils ont l'air d'être des hadiths globaux, mais il faut le comprendre. Et donc c'est une phrase, retenez bien ça, c'est une qaida dans le fiqh, dans l'usul fiqh, qui a été instaurée par l'imam Shafi'i au départ. Yani amun makhsous. C'est quelque chose de global, mais qui est spécifique en même temps. Mais par contre, même Taïmiel, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit non, ce hadith-là, il faut le garder dans le sens global. Mais c'est son avis. Non. Après, souvent, pour garder le bon soupçon sur les salafis, et ça, je le dis souvent, c'est que eux, souvent, ils utilisent aussi une règle dans Usul Fiqh qui est Sadd al-Dhari'a, le fait de fermer la porte, en fait. Ça aussi, c'est une source de législation. Et il y a des bases dans le Coran et la Sunna de ce point-là. Comme quand Allah il dit Wala taqrabu zina. On pourrait dire la mixité, ça s'appelle haram li ghayrihi. C'est pas haram en tant que tel, mais c'est haram parce que ça peut aboutir au haram. D'accord? Mais il ne faut pas en abuser non plus. Il ne faut pas abuser non plus de faire ça de Zari'a. Donc tu vas tout interdire de peur de tomber dans le haram. Et ça de Zari'a, ça ne peut pas être un fondement même de la législation non plus. D'accord? Donc, et ça c'est pareil dans tout ce qui est Aqida, etc. Et bien, souvent, ils interdisent une chose, par exemple, de dire qu'il faut prendre les textes dans le sens apparent, parce qu'effectivement, oui, il y a des personnes qui se donnent trop de liberté dans l'interprétation. Donc ces gens-là aussi, il faut leur mettre des limites, des garde-fous. C'est une réalité. Il y a des gens qui ils n'ont pas de crainte. Dans leurs adorations, dans leurs pratiques, ils se donnent la liberté d'inventer des choses. Ça aussi, ce n'est pas bon. Mais là, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de ces cas-là. Voilà. Comme je disais au dars précédent, il y a un minimum de crainte. Tu suis la sunna. Et c'est ça le but. Tout le monde, on doit tous s'encourager journalièrement à s'accrocher à la sunna telle qu'elle est. On n'est pas là pour inventer des choses. C'est ça. Moi, de ces gens-là, ils ne sont même pas dans mon esprit, en fait. Il y en a comme ça, j'en connais des personnes, surtout dans certains pays, malheureusement, chez nous en Afrique, les gens, ils sont créatifs, subhanallah. C'est pourquoi ça? Après, encore une fois, si on veut parler du sujet du racisme, etc., pourquoi, par exemple, les Africains peuvent être négligés? Bon, je parle, j'en tant qu'Africain, mais pourquoi nous, malheureusement, en Afrique, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Mali, que ce soit dans ces pays-là, au Sénégal, voilà, je ne voulais pas le dire, tu vois? Je ne voulais pas le dire. Les gens se lossent la liberté de chacun, il fait sa secte, chacun il fait son truc. Et après, on se plaint. Pourquoi on n'est pas respecté? Mais pourquoi nous, les Africains, on ne serait pas, je veux dire les Sénégalais, les Camerounais, pourquoi nous, on ne serait pas les lions qui préservent la sunna et qui réprimandent les innovations? Après, bien sûr, les gens, ils vont nous respecter plus. Il faut dire les choses comme elles sont. D'accord? Voilà, bref, ça c'est. Donc, il nous reste 10 minutes. Et. Après, bien sûr, au Sénégal, il y a des grands ulamas. Ça aussi, les gens, ils négligent. Parce que c'est des gens qui sont très modestes, très discrets, et c'est tout à leur honneur. Mais il faut, et comme on dit, il n'y a que les gens de bien qui reconnaissent les gens de bien. Les ulamas qu'il y a, même au Cameroun, moi je suis camerounais, attention.
Au nord du Cameroun, là, il y a des ulamas qui maîtrisent des khalil par cœur, qui connaissent le chiot. Attention. Mais c'est les gens, ils ne savent pas. Les gens, ils ne savent pas. Mais malheureusement, comme ils parlent en peul, en soninké, dans leur langue, donc qui va les connaître? Moi, c'est ça que je dis dans mon daf par rapport à l'importance de la langue arabe. Si les savants du nord du Cameroun, les peuls, ils font leurs interventions en arabe. Maintenant, je peux dire aux gens, venez frère au Cameroun, venez au Cameroun, on va apprendre le fiqh maliki, on va apprendre le tafsir, on va apprendre usul fiqh. Venez, on va au Cameroun. Parce que le Cameroun, il fait bon vivre là-bas. C'est plus. Franchement, on serait mieux qu'en Égypte ici, tu vois. Bon, bref, pas rentrer dans d'autres sujets. Mais voilà. Mais voilà, c'est la langue arabe qui pose problème. On ne va pas commencer à apprendre le peul. Après, on va partir en Côte d'Ivoire, on va apprendre le Bambara. Après, on va partir au Pakistan, on va apprendre le Urdu. Ce n'est pas possible. C'est l'arabe qui doit être le pôle. Et avant, c'était comme ça. Au Mali, les gouverneurs faisaient exprès de ramener des ulama arabes pour inculquer et pour propager la langue arabe dans le pays. Et avant, c'était comme ça. Bref, allez, on conclut. Voilà, donc on a dit c'est comme ça qu'il faut comprendre les hadiths. Deuxièmement, la science, le sens linguistique. Ça veut dire tout ce qui a été fait après le prophète, comme bien ou comme mal. Non. Comme bien ou comme mal. Ala hada, kana kalam a'imma fi taqsim al-bid'a ila bid'a huda wa bid'a dalala. Et le deuxième, c'est le sens linguistique. Et c'est comme ça qu'on comprend la deuxième partie, les autres hadiths qui disent qu'il y a bonne bid'a, mauvaise bid'a. Bid'a de garment, bid'a de guider. Non. Ce qui est conforme au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de kawa'id de shar. Wa itlaq ism bid'a alayhi innama yakun bi istilah al-lughawi al-aam bi ma'na al-bid'a alladhi yashmil al-khayr wa shar. Donc le fait, tous ceux qui disent qu'il y a des bonnes et des mauvaises bid'a, c'est par rapport au sens linguistique. Et comme je le disais précédemment, et je le répète, la maîtrise de la langue arabe et le fait de toujours mettre la langue arabe devant soi, c'est ce qui permet en général de régler les problèmes et de régler les irtilaf. Et en général, le fait de ne pas maîtriser la langue arabe et la langue du Coran et l'arabe des premiers temps, la langue arabe des premiers temps avec la compréhension des premiers temps, et bien c'est ça qui fait que il y a des irtilaf dans le fiqh dans l'aqidah et dans tout, d'accord, et toutes les bid'a d'ailleurs, les vraies bid'a, elles sont liées au fait de ne pas maîtriser la langue arabe. Il y a une dernière chose qu'on peut dire, c'est la relation entre la bid'a et la désobéissance. En fait, la désobéissance, il n'y a pas de mauvaise et de bonne désobéissance. Une désobéissance, c'est quelqu'un qui délaisse une chose ou alors qui fait une chose qui est interdit, mais par rapport à ses passions. Lui, en fait, il est mieux qu'un vrai moctadir. C'est vrai, parce que lui, au moins, il ne dit pas que ce qu'il fait, c'est légiférer. Alors que quelqu'un qui fait une bid'a, une vraie bid'a, c'est encore plus dangereux parce que lui, il pense faire du bien et il pense qu'il rajoute quelque chose dans la religion ou il retire quelque chose. Donc ça, c'était un point aussi qu'on peut citer. Donc voilà les frères, m'avoir écouté, mais bon, c'est pas le but de m'écouter. Ma personne n'a pas d'importance. On a vu ici donc les paroles des savants, donc on s'est contenté de rester sur ce chapitre. C'est les paroles des savants par rapport au fait de dire qu'il y a une bonne bid'a, une mauvaise bid'a. On n'a pas cité ici, il n'a pas cité l'avis de ceux qui sont contre de dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise bid'a, mais il va les citer après. Nous, on en a touché quelques mots. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Donc, après, le but de ça, c'est pas, hein, bien sûr, je sais ce que certains vont dire. Ah, donc chaque muqtadir, il va dire, ah, vous voyez, il y a des bonnes innovations, donc c'est la porte ouverte pour commencer à faire toutes les innovations qui nous passent par la tête. Mais ce n'est vraiment pas le but. Mais comme on a dit, en ce qui concerne le fait de faire da'wa, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que les gens qui sortent en feu rouge, ce n'est pas essentiellement pour faire da'wa, essentiellement. Ça, il faut le savoir. Parce que quand on parle d'une chose, il faut connaître de quoi on parle. Et encore une fois, une règle de usul fiqh, al-hukmu ala shay'in far'un an tasawwurihi.
avant de juger une chose, il faut d'abord bien comprendre de quoi on parle. Les gens du Khourouj, ils sortent en Khourouj, pourquoi? La première chose et la dernière chose et la seule chose, c'est pour se corriger soi-même. C'est pour que chaque musulman, que ce qu'il soit un savant ou qu'il soit un ignorant, qu'il soit un riche, qu'il soit un pauvre, qu'il soit un chef d'État et qu'il soit un éboueur, qui doit se corriger son nefs. C'est le seul but du Khourouj. Rester à la mosquée, entendre que des paroles du Coran, entendre que des paroles de la Sunna, Riyad Salihin. D'accord ? Riyad Salihin, les spécificités, on en parlera plus tard. Pourquoi les gens du Tablir, ils restent que sur Riyad Salihin ? C'est pour une raison. Mais cette raison-là, il n'y a que les gens qui maîtrisent le charia et qui ont une connaissance précise, ils vont savoir pourquoi ils s'accrochent au livre Riyad Salihin. Et ceux qui sont ignorants, ils ne vont pas savoir. On en parlera après parce que là, le temps est long. Mais l'imam Nawawi, qui a écrit ce livre-là, qui était un soufi, mais il a écrit ce livre Riyad Salihin avec tous les chapitres qui concernent le vrai tasawuf selon la sunna. Donc, dedans. Donc, et les gens du Tablir, pour rester neutres, pour ne pas dire on est Naqshbandi ou bien on est Rafiri ou je ne sais quoi, c'est que les bases selon le Coran et la Sunna. On montrait que même le soufisme, c'est directement lié au Coran et la Sunna. C'est Riyad Salihin, c'est ça le soufisme, si vous voulez savoir. D'accord ? Le soufisme, que du Coran et la Sunna, comme vous voyez. Et d'autres, ils vont dire, ah, il y a des hadiths barriques, etc. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Le but, c'est ça, c'est pour eux. On n'entend que du Coran, que des hadiths. On reste que à la mosquée. Il y a des sujets dont on ne parle pas. On ne parle pas de fiqh, on ne parle pas d'aqida, on ne parle pas d'irtilat, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de dunya, toutes les choses que les gens de Khourouj savent. Il y a des sujets qu'on évite et des sujets dont on parle beaucoup. On parle beaucoup d'Allah, on fait beaucoup d'awa entre nous, on parle que d'Allah, de Dieu. On reste à la mosquée, là où il y a les anges. Basse. Après, bi'idhnillah, on revient dans nos familles et on essaye de faire en sorte que nos maisons soit des maisons dans lesquelles la sunna est pratiquée. On fait le fajr à l'heure dans la maison. On fait qiyam layl dans la maison. D'accord ? Les enfants, ils aiment leur din. On lit à la maison des hadiths. Tout le monde voit comment elle est dans sa maison. Maintenant, on est des pères de famille, on sait maintenant. Hein, on a délaissé le rouleau, on a délaissé tout ça. Maintenant, on voit le résultat dans nos maisons. On le voit. Comment est-ce que déjà, est-ce qu'on prie le fajr à l'heure la plupart du temps ? Chacun est sur leur nous-mêmes. Et nos enfants qui ont 10 ans, 12 ans, est-ce qu'ils prient à l'heure le fajr? Est-ce qu'ils font même leurs 5 prières, nos enfants? Il y a des gens, ils ont leurs enfants de 10 ans, de 12 ans, on ne sait même pas s'ils prient. Okay. Parce qu'on ne leur donne pas l'amour, on croit que les choses, elles rentrent dans la tête toutes seules. Bref, il reste une minute, je vous laisse les frères. Normalement, vous avez tous mon contact, donc n'hésitez pas à me parler, je suis à votre disposition, je vous laisse les frères. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si vous voulez, on se reprend après pour ceux qui veulent en off, inshallah. Allez, salam alaikum.